Melusa bekine dae, melusan. Melusa bekine jambie mono melusan. Melusa bekine puna sisi melusan. Melusa bekine dae. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Commençons une nouvelle année liturgique, l'année liturgique C, et c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, versets 25 à 28, puis 34 à 36. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec une grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et le souci de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Sœurs et frères bien-aimés, aujourd'hui nous commençons une nouvelle année liturgique. Et nous célébrons le premier dimanche de l'Avent, année C. Comme vous le savez, la couleur liturgique des vêtements du célébrant principal et des diacres de ce dimanche est le violet. Cette couleur nous rappelle la nécessaire conversion qui nous permet de renaître à la joie et à l'espérance de la rencontre de Jésus qui continue d'être présent au cœur de notre monde. Oui, c'est le temps de l'Avent. Avant, avènement, attente. Le temps liturgique de l'Avent est attente de l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes donc engagés à nous préparer à Noël, frères et sœurs. L'Avent est ainsi placé sous le signe de l'attente, une attente singulière. Une attente singulière qui a pour synonyme une vigilance active. Et cette attente nous oriente vers l'imprévisible, vers l'inouï, vers l'inimaginable, vers le Christ qui vient habiter en nous, habiter au milieu de nous. Nous disposons nos cœurs à accueillir le Christ fait chair. Ainsi, au cœur de l'évangile de ce dimanche, retentit un appel à la vigilance. Le mot « avant » est tiré du mot « avènement », avènement d'un grand événement, comme c'est le cas dans l'Évangile, puisqu'il s'agit de l'avènement du roi qui vient faire toutes choses nouvelles. Les Évangiles des deux premiers dimanches de l'Avent parlent de la fin des temps, c'est-à-dire du retour glorieux du Christ à la fin des temps. Notre temps a une fin, F-I-N, un but.
Osons cultiver en nous la faim. La faim, F-A-I-M, le désir de la rencontre avec Dieu. Notre temps est orienté vers le retour du Christ. Il prend sens en lui, lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est, qui était et qui vient. Nous sommes appelés à être présents lors du retour du Christ, à l'accueillir, à participer à sa vie auprès de Dieu. Cet avant, ce temps de l'avant, implique donc une préparation, une tension. Qu'est-ce qui fait l'objet de notre attente? Et qu'attendons-nous encore que nous n'ayons pas déjà reçu? Sœurs et frères, en ce premier dimanche, nous commençons une nouvelle année liturgique, un temps fort de la vie chrétienne. Nous pensons tous à Noël et nous voulons que cette fête soit pour nous une réussite. Mais surtout, nous voulons rappeler à ceux qui l'ont oublié que Noël, c'est d'abord et surtout une fête chrétienne. Ce n'est pas l'arbre de Noël. Noël, c'est la fête de la nativité du Sauveur, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il vient sauver ceux qui sont perdus. Il vient nous sauver. Il vient tout sauver. C'est à cela que nous devons nous atteler. Il est aussi important de préparer la fête. Il est aussi important d'y mettre un peu de sel en pensant à une organisation matérielle. De grâce, que la préparation matérielle n'élude pas le sens de la fête. Ailleurs, Jésus nous invite à rester en tenue de service et à garder nos lampes allumées. La lampe de la foi, celle de l'espérance, celle de la prière. Et on comprend pourquoi, aujourd'hui, en ce dimanche, il y a une forte insistance à veiller et à prier. La vigilance chrétienne est tout à la fois confiance, une confiance totale à l'absolue gratuité du don de Dieu. Une telle attente est donc réelle, dans la mesure où elle est agissante et devient concrète et nous pousse à ne pas vivre comme si nous n'appartenions pas à Dieu. Oui, cette vigilance est donc à la fois éveil du désir et audace dans la confiance, mais surtout abandon dans la prière pour que le Seigneur, quand il viendra, il nous trouve disposés. Oui, le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Préparons le chemin du Seigneur. Nous pouvons en ce monde donner sens à nos échecs si nous acceptons que la réussite finale ne nous appartient pas. Nous préparons toutefois celle-ci, cette réussite finale, j'entends, par notre fidélité à attendre attentivement et activement ce règne de Dieu capable de nous libérer de toute attitude de captation ou de domination. Tout cela, mes frères, mes sœurs, passe par l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs. Tout cela passe par la prière, l'écoute assidue de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les maîtres de ce royaume dont la venue ne peut que nous surprendre, mais il dépend de nous de l'accueillir à travers les aléas de l'existence, aussi bien que dans l'inépuisable générosité de la vie. Restons vigilants, car le Seigneur vient. Nous vivons dans un monde où Dieu est de plus en plus absent, où nous ne savons plus quelles sont nos valeurs, et quels sont nos repères? On ne sait plus ce qui est mal et ce qui est bien. Il existe une multitude de points de vue. Aujourd'hui, on appelle blanc ce qui était hier appelé noir ou vice-versa. Ce qui est grave et très grave, c'est de transformer l'erreur en règle de vie. C'est de transformer le mal en bien. Ayons la préoccupation constante de rester éveillé et de dire la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est le Christ. C'est le Christ lui-même qui est à la fois voix, vérité et vie. Et demandons au Seigneur la grâce de la honte. Ainsi, nous aurions honte à chaque fois que nous nous éloignons de lui, lui notre libérateur. Jésus nous invite en ce dimanche à le reconnaître comme celui qu'annonçaient les prophètes. Il nous invite aussi à le recevoir comme celui qui est le sauveur
que Dieu donne à l'humanité. Un sauveur qui rassemble, un sauveur qui donne vie, un sauveur qui rassemble tout l'univers dans l'amour du Père. Se redresser et relever la tête, c'est consentir à sortir de nos courtes vues et à entrer dans le dessein de Dieu qui nous dépasse, dans une histoire qui est une histoire du salut, commencée avec Abraham et les prophètes et menée à terme par Jésus-Christ, vers qui se portent nos regards durant toute cette nouvelle année liturgique. Sœurs et frères, bonne année liturgique à vous. Restons éveillés et prions, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus nous lance une invitation à ne pas laisser sans réponse. Restez éveillés et priez en tout temps, dit Jésus. La prière nous permettra ainsi de rester éveillés. Le disciple de Jésus aura à se tenir debout devant le Fils de l'homme, tout en acceptant ses limites et sa petitesse, mais en s'appuyant sur la force de Dieu. Rappelons-nous, sœurs et frères, que nous sommes des veilleurs en ce temps de l'Avent et contribuons à donner sens à ce temps. Attendons le retour du Christ. Cette attente se vit dans la prière. Elle se vit dans la vie selon l'Évangile. Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur nous garde. Amen.